Le soleil réchauffe la forêt. C'est le grand jour. Comme les pionniers du Nouveau Monde, la tribu, quittant l'arbre natal, forme une caravane et part à la découverte de terres inconnues. Elle ne cherche pas de l'or, mais un coin sableux où elle s'enterrera chenille pour sortir papillon. Cet effort l'achève et il quitte sans regret cette vie de désillusion. Veuve et sans ressources, madame dépose sa ponte autour de deux aiguilles de pin, la recouvrant des écailles de son abdomen pour la protéger. La conscience tranquille, elle rejoint dans la mort son amante éphémère. Si elle savait que les œufs du jour sont le régal des phipigères, le criquet. Orphelin nouveau-né inspecte les environs et constitue prudemment une procession miniature pour aller prendre leur premier repas.